غزة غزة رمز العزة غزة غزة رمز العزة وغزة غزة رمز العزة غزة غزة رمز العزة On va essayer un peu plus haut. En hommage à tous les martyrs de Palestine, ces hommes, ces femmes, ces enfants, ces vieillards, toutes ces personnes qui sont mortes, tuées, déchirées, sous les décombres. Il y a encore des milliers, peut-être des dizaines de milliers de personnes sous les décombres. Et rendez-vous compte, aujourd'hui l'armée israélienne, quand elle se retire des territoires de Gaza, parce que contrairement à ce qu'on pense, à Gaza, l'armée israélienne n'a rien réussi. Elle n'a réussi qu'à massacrer, tuer, humilier. C'est la seule chose qu'elle a réussi à faire. Rendez-vous compte, cette armée, chaque fois qu'elle se retire, les habitants reviennent dans leur quartier et ils voient des rues jonchées de cadavres, jonchées de membres qui sont parfois là depuis des semaines. C'est-à-dire que cette armée qui était surnommée, qui est surnommée comme étant l'armée la plus morale du monde, a vécu pendant des semaines entourée de cadavres, entourée de cadavres. Cette armée a déterré tous les cimetières de Gaza pour voler des corps, prélever des organes, laisser les corps joncher les rues, laisser les maladies et les épidémies se répandre. C'est une armée d'assassins. C'est une armée d'assassins. Israël, assassin, Macron, complice. Israël, assassin, Macron, complice. Israël, assassin, Macron, complice. Israël, assassin, Macron, complice.